Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. T'auras compris, hein, c'est ma nouvelle moto. Voilà, c'est pour ça que je te la floute pour l'instant, comme ça tu la verras pas maintenant tout de suite. Hein. Donc je te laisse regarder la vidéo, je te laisse regarder l'intro, tout ça, et puis on se retrouve juste après. 1, 2, 3, 4. Du coup, je pense qu'il est temps de changer de moto, les gars. Passer à plus gros et passer à. Ce que j'ai envie d'avoir en fait, du coup, tu vois, parce qu'il y a une moto qui me plaît beaucoup. Je passerai sur un 1000, hein, clairement, je le dis. Il y a pas de 600 ou quoi, 750, non, ce sera une 1000. Voilà. Donc, bien entendu, si je décide de changer de moto bientôt, il y aura une vidéo qui viendra avec. Hein. Pause, 2 petites minutes, s'il te plaît, je te demande pas grand chose. Est-ce que tu peux juste t'abonner si tu ne l'es déjà pas et mettre un petit pouce bleu afin de soutenir la chaîne? Merci beaucoup. Allez, je te laisse avec la suite. Qu'est-ce que tu dis de ça, mon copain? On s'est reconnu compteur. Ouais, c'est pas reconnu, tant pis, mais c'est reconnu compteur. Oui, c'est une S1000R. 165 chevaux, 208 kg tout plein fait. J'ai beaucoup d'options. J'ai les deux packs dynamique et dynamique pro en plus. J'ai également le régulateur de vitesse, poignée chauffante, suspension pilotée, peau à crapaud, litre de jante rouge. Je te mettrai en photo si tu veux tous les détails des options dessus. Qui ont été commandés à leur achat en fait. Moi je l'ai acheté à 17 700 km. Voilà, ça fait 100 bornes que je l'ai. Le shifter, c'est vraiment génial. Le régulateur vitesse, tu vois, c'est aussi génial. Les freins, n'en parlons pas, hein, je t'avoue, les freins, c'est. Je me suis fait une frayeur. J'étais sur M10 en fait, j'avais les 100 à mettre quand je suis parti du magasin. Et du coup, il y avait la moitié du plein. Je me dis autant mettre le plein. Donc je vais à la station essence, mais mon régulateur à 110. Je vois la station essence, je me dis, bon, vas-y, je vais tourner à droite, tu vois. Et là du coup je freine, tu vois, parce que le frein désactive le régulateur vitesse. Ah bah tiens, j'ai eu freiné autant que la GSR 600, j'aurais pas dû. J'ai pilé, voilà, clairement j'ai pilé. Le train avant, tu l'emmènes comme tu veux. Donc merci à HMX à Rambouillet. Là où j'ai acheté ma GSR 600, là où j'ai acheté la S1000R. Franchement, en fait c'est simple, j'ai dit à ma copine. Ça fait quelques mois que je kiffe la S1000R, voilà, si vous en doutez un petit peu, je pense, vu ce que j'ai dit avant. Ça fait quelques mois que ça kiffait. Et au final, en fait, bah,
Je me dirais, si un jour HMX ils ont la S Miller, je l'achète. Et voilà, dis pas que je vois une annonce sur le bon coin de HMX en fait. Je savais pas que c'était eux, mais c'était un Roubillet, tu vois, sur un professionnel. Et là en bas, je vois HMX machin, chaud, putain. Donc j'y étais, j'ai demandé un financement et tout, ça faisait que 2 semaines qu'ils l'avaient. Comment te dire que voilà, là je suis vraiment content. Voilà, j'accélère, tranquille. Hop là, j'ai pas besoin d'accélérer. Enfin, c'est royal. Ça détend le poignet, ça fait du bien. La position de conduite est vraiment agréable, tu vois, je suis un petit peu penché à l'avant, mais pas trop. Le seul petit regret, ouais, c'est que les manœuvres à l'arrêt sont très compliquées, sachant que son rayon de braquage est limité. Et puis, bah, je t'avoue, depuis que je l'ai, ça fait donc ouais, une journée seulement, les gens se retournent énormément. Ils regardent des gamins, ils sont « Ah, c'est une S Miller, machin !» Ouais, ça fait plaisir. C'est sûr que ça fait plaisir par rapport à la GSR 600 où les gens se retournaient, ils voyaient les GSR, ils retournaient la tête, tu vois. Là, forcément, ça fait tourner les regards et c'est plaisant. Il n'y a pas à chier. Franchement, j'aime cette moto, mais comme pas possible. J'ai découvert en fait dans une vidéo de Hugo Pro, voilà, la S Miller rouge qu'il avait, pour ceux qui savent. Dans ces vidéos, en fait, je l'ai vu, j'étais là, je me suis dit, mais c'est quoi cette moto de malade? C'est un plaisir. Et puis ce petit pot qui pète là. Non, il n'y a pas de l'orage, hein, je te rassure, c'est la moto qui pétade. Ouais, ça fait qu'une journée que je l'ai en main, donc on y va doucement des ronds-points quand même. Hein. Tranquille quoi. Le frein avant et l'ABS sont tellement puissants que hier j'ai emmené ma copine avec moi en moto. Bon, les rushs sont inutilisables parce que bah, j'avais du vent dans le micro, ça faisait dans tous les sens, donc c'est pour ça que je l'aimais pas. Mais elle était derrière moi. Il y a un moment, j'ai freiné à un endroit où c'était 70. J'ai freiné un peu fort pour l'embêter. Apparemment, le cul s'est levé. Voilà, voilà. Le seul truc qui me dérange un peu quand même, tu vois, pour une moto à ce prix-là, les clignotants sont à LED. C'est très bien. Par contre, le feu avant, c'est de l'halogène. Comment ? L'halogène ? À quel moment tu mets de l'halogène sur une moto à ce prix-là ? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô ? Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je te laisse, je vais aller poser un petit cul là, parce que la moto et c'est bien sympa, mais je t'avoue que la GSR avait une selle confort beaucoup plus agréable. Alors on va se poser un petit peu, on va boire un petit coup et puis après on va rentrer. Alors voyure. Peace. C'est sympa ça, le petit motard qui m'attendait pour me dire bonjour. Il a entendu arriver une moto, il s'est dit oh là, il y a un motard, hop, il m'a attendu, c'est cool. Là, c'est ça que j'aime beaucoup, un esprit motard. Un motard, quand un autre motard arrive, il lui dit bonjour. Je suis pareil. On n'est pas bien là. Un beau ciel bleu, un soleil qui me pète les yeux. Allez, ça rime en plus, pas vu.